bleed to death. Please. Don't say I didn't warn you. Tell me what the hell just happened. Long story. Yeah, maybe it's your blood they should be testing for vaccines. They already did. More than I can stand. What are you doing? The data's gone. What data? Your data. Your blood analysis, your genome, everything that we need to make a vaccine. No, I mean everything I need to get my 50 million. Well, come on, Supergirl. Let's get looking. Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Resident Evil 6 sur PC. On continue notre aventure, toujours en compagnie de Jake et Sherry, pour un deuxième chapitre assez original, pour le coup, où on a une nouvelle zone libre. Et comme je l'ai toujours dit, les zones libres de Resident Evil 6, elles sont cool. Très clairement. Donc on va devoir trouver, retrouver plutôt les données concernant notre cher Jake Mueller, qui sont un peu éparpillés dans la zone. Hein. Ah, quand le manque de chance intervient, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Ici, on a les premières datas, mais on peut pas les rejoindre. C'est trop haut. On va devoir passer par ici. On enchaîne relativement les armes. Vous avez vu, on a déjà un sniper. Hein, c'est formidable. On va garder le Magnum pour le moment. Ouais, il me faudrait une herbe. Il me faudrait une herbe rouge. Ok, donc des javos, sont pas très jolis. Alors le problème, c'est que la neige a souvent tendance à nous gêner dans notre progression. Du coup, on voit pas grand chose. Je pense que je vais être obligé de les tuer. Mais le problème, c'est que je les vois pas. Deux problèmes. Il faut les tuer, mais je les vois pas. C'est un mec qui m'attaque en fait. En absolu. Mais là, je suis pas absolument à faire. Bon, c'est pas grave, vous savez qu'on va pas se prendre la tête avec eux. Hein. Par contre, on va se prendre la tête avec ceux-là. Ce qui est beaucoup moins glorieux. Hein. Donc, les trois données sont pas très compliquées à récupérer. Ah, regardez, il est là. On se les fait au Magnum, hein, on cherche pas à comprendre. Hein. Si vous attendez de vous les faire au flingue, ça va prendre un temps fou. Je crois qu'il a... Non, il a pas disparu. J'ai eu peur, je pensais qu'il avait complètement disparu, mais non, pas du tout. Tant mieux. Je voyais pas le point rouge aussi loin, en fait. Alors donc, ici, la première mémoire. Elles sont pas dures à récupérer, les mémoires, de toute façon, hein, vous allez voir ça. Ce qui m'a, c'est qu'en haut, on a une carte, hein, un peu à la Resident Evil 5.
Ça c'est magnifique comme esquive ça. Allez hop, tu dégages toi. Ah, regardez. Manifestement, les va beaucoup mieux dans le... dans la tempête. Tant mieux, hein. C'est une bonne chose. Parce que en dehors de la tempête, moi je vois absolument rien. C'est fait exprès. Ah oui, eux. Ceux qui ont les super... les super pieds. Je les déteste. J'aime pas, ils vont trop vite, ça m'énerve. J'aime pas quand les amis vont trop vite pour moi comme ça. Bref. On va commencer par, allez, on va commencer par là. De toute façon, je crois qu'on peut pas monter ici, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, on peut pas monter, non, non, on glisse, je crois. Ah, je sais plus. On sait qu'on s'en fout, hein. De toute façon, on va être obligé de passer par là. Il y a deux emblèmes à récupérer dans la zone. Les deux emblèmes sont à côté des deux autres, data. Donc on peut pas les louper. Concrètement, ces emblèmes, c'est pas possible. À moins que vous ne sachiez pas aller. Jusqu'au data, mais normalement. Normalement, vous pouvez. Je crois que j'ai fait le con, je suis venu sur mes pas, non? Il y avait une herbe rouge. Il y avait une herbe rouge. Je crois que comme ça, on peut retourner récupérer le. Le sniper. Bon, en même temps, si vous le loupez, vous êtes. C'est vraiment si vous voulez pas le récupérer, hein. Parce que. Oh là là, dommage, j'ai failli faire l'esquive. Encore une fois. Jake, il était parti au champignon, le pauvre. Et... je sais pas où il était passé, mais en tout cas, il m'a pas suivi. Hein. Putain, mais il me vise pas. Alors, ça m'énerve, ça, par contre. Si je le vois, le viseur, il est pas sur moi. Mais il arrive quand même à me toucher. C'est insupportable. Voilà. C'est relativement très chiant, hein, ce genre de comportement. J'ai bien envie d'y retourner pour récupérer l'herbe rouge. Bon, on va le faire. D'abord, je vais quand même juste fouiller pour voir s'il n'y a pas un autre chemin là-bas. Il n'y a pas que ça là-bas, hein, si je dis pas de bêtises. Puis même si c'est que ça, on va quand même la récupérer. Non, non, il y a une échelle ici. Je sais bien ce qu'il me semblait. On ira un peu plus tard. Mais bon, on va... on va continuer, on va continuer, continuer un peu. Ah non, on peut pas continuer en fait. Hein. Non, à la limite, ça sert juste à les tuer. Encore j'en ai tué zéro comme ça, mais... bon, je comprends pas trop l'intérêt de cette zone honnêtement. Ah bah tiens, il y a eux aussi alors, ok. Vous savez ceux qui vous coupent en deux. De manière totalement gratuite. Alors je me suis jamais fait découper par eux dans l'esplay, hein, mais en tout cas... voilà, ils sont très peu commodes. Alors il me faut de la place dans l'inventaire, on va jeter ça. J'en ai pas besoin. Ah, c'est l'herbe verte. Il y avait deux herbes, je crois. Bon, vous savez quoi, on va tout combiner, hein, et puis voilà, moi c'est fait. Voilà, là, on va passer à 16. Pas se prendre la tête avec ça, hein. Ça a rien. Donc là, je suis en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Bon, après, j'ai quand même relativement défoncé tout le monde. Mais je crois qu'ils arrivent tous
pratiquement non moins fini. Ça n'a pas d'intérêt si tu peux juste bouger ton cul s'il te plaît. Merci. Ah, ils arrivent tous en nombre infini, c'est pas utile. Allez, on va grimper là-haut. Je crois qu'on peut se faire... Oh putain. D'où il vient lui? Non, non, toi tu restes au sol toi. Toi, c'est hors de question que tu mutes, hein. Alors avant j'avais un coéquipier, je sais pas du tout où il est passé. D'accord, ok, donc il est là. J'avais au bon endroit. On va monter. On va pas rester là, ça sert à rien. Voilà, toi tu restes au sol. Si je commence à me faire écraser par les motoneiges, on est mal barré. On peut les conduire, les motoneiges. Hein. Je vais pas la prendre parce que j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, on peut la prendre. Alors ceci étant, elles peuvent être utiles pour pas se faire écraser, hein, de toute façon. Bon, je vais quand même en prendre une, je pense. Parce que... Voilà, j'ai pas envie de me faire écraser, hein. Good. This one looks okay too. Okay. One more and we're done. Encore une unité, hein. À récupérer. Alors attendez, vu que je me perde pas, on va récupérer ce coffre. Alors, on a toujours des ennemis ici. On va récupérer l'emblème, normalement il est là. Il est quelque part par là l'emblème. Ah d'accord, on a quand même la... On a quand même la carte. D'accord, admettons. Attends, excuse-moi, je suis un peu perplexe là. Où est l'emblème? Je réfléchis. Déjà, je vais essayer quand même au moins d'en dégager un ou deux d'ennemis. Il est là-bas l'emblème. Faut que j'en dégage au moins le sniper parce qu'il est en train de me gonfler. Putain, mais c'est pas possible ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Mais que les snipers ici, de toute façon, il y a que des. Des enculés avec leur arme de merde, ça commence à me gonfler. C'est extraordinaire. Bon, après, je fais pas trop de soucis. Je sais que je vais en récupérer plein. Des objets de soins, mais c'est juste le principe de se faire ralentir en fait, ça me gonfle. J'aime pas ça. Là, on a deux coffres avec 100 points d'habilité chacun. Putain, je vais aller loin avec ça. Le problème, c'est quand on recommence les chapitres, bah, vous avez vu, hein, on a toujours des points d'habilité bien pourris donc. C'est un peu le gros problème. Ah, il y avait quelqu'un, je crois, non? Bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un, Jake s'en occupera. Faut pas trop espérer non plus, mais... Non, c'est lui. Ça va. Ah, c'était Jake, en fait, non? Je sais pas, c'était Jake? Je sais pas, j'ai pas suivi. Voilà, ça tu reviens au sol. Là, si on a l'œil. Donc alors je crois que c'est. Je sais plus de quel côté il est exactement.
Normalement, il doit être là. Enfin, il est quelque part dans une des fenêtres. Je crois qu'il doit être là. Alors, l'emblème. Je sais plus où est l'emblème. C'est fou. Je ne trouve plus l'emblème. Mais il est là, regardez, tout simplement. Tout simplement en haut. De toute façon, logique, parce que c'est la seule. C'était la seule fenêtre où on pouvait viser correctement, donc. Bon, enfin, con, c'est assez logique. Je crois qu'on va prendre la motoneige pour aller plus vite. Parce que là, faut redescendre de toute façon. Et j'ai plus envie de me faire sniper par ces connards. C'est bon, j'ai assez donné. Ça, c'est typiquement le genre de séquence qui est assez horrible pour moi. Parce que je déteste me faire ralentir comme ça, de manière totalement arbitraire. L'ennemi, s'il a envie de vous toucher, il vous touche en fait. Hein. Si le jeu il a envie de vous niquer, c'est terminé. C'est relativement gonflant. Alors. Je vais quand même vérifier si on doit bien aller là-bas. Hein. Oui, on dort. Non, on ne casse pas le. Putain, qu'est-ce qu'elle fait elle? Moi, ça me permet un peu de. De revoir cette maniabilité extraordinaire. Ah, c'est assez. Oula, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai pas compris ce qu'elle a fait, c'est pas grave. J'ai explosé la motoneige, d'accord. J'ai pas compris ce que j'ai fait. C'est pas grave. Mais je vais pouvoir récupérer l'herbe rouge alors. On va essayer de la récupérer. Eh ben en fait, on devait passer par là pour revenir sur nos pas. Forcément. Donc c'est con ce que j'ai fait en fait. J'aurais dû aller directement, j'aurais dû suivre. J'en souvenais plus. J'ai toujours un trou à chaque fois quand je fais ces passages-là, c'est... Oui, c'est forcément, c'est ce que j'aurais dû faire. Il y a bien une herbe rouge ici. Oui, d'accord. Par contre, j'ai plus d'herbe verte. Ça, c'est le gros problème. J'ai voulu combiner toutes les herbes et j'ai pas pu. Enfin, j'ai obligé de les combiner, quoi. Oui, là faut bien remonter. Ok, ça va. Donc on est bien au bon endroit, avec une herbe rouge en stock. Bon, plus que la verte, et je vais pouvoir me refaire un bon petit stock de santé là. Y a pas d'objet à récupérer ici. Bon, manifestement non. Hein. Lui normalement il est pas là. Je vais dire lui normalement il va se réveiller. Ça me semble assez évident. Par contre voilà, il va juste se coucher, mais alors aussi vite qu'il s'est réveillé. Je peux pas le laisser comme ça. Contre moi, c'est pas possible ça. Help, it can't be that much further to the rendezvous. Oh, wait!
So, you always been like that? You know, the whole healing thing? My dad was a scientist. He was working on BOWs when I was exposed. Luckily, I was treated with the vaccine before it was too late. But the virus adjusted and adapted. It's been a part of me ever since. What happened to your father? His research killed him. By the time he died, his body had mutated so much, he wasn't even recognizable. Sorry, I didn't mean to. That's all right. Besides, I didn't walk out of it empty-handed. Yeah, you got superpowers. That's not what I meant. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is a BSAA guy's sister, right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up. No matter the odds. Speaking of odds... Looks like we got some party crashers. This cabin's invitation. Cette séquence a le droit, très clairement, de vous faire penser à une séquence que vous avez déjà fait dans Hero 4, dans Hero 5 et même dans Hero 6. C'est fou! Avec Léon. Voilà, les séquences où on est dans des endroits clos et on doit se défendre, ça devient un classique. Maintenant. Hein, c'est... J'ai l'impression qu'on fait que ça. Dans la série des Antivilles, voilà, c'est de... C'est de se défendre face à l'envahisseur sur le roi clos. Non, c'est fou quand même. Hein. Alors, c'est pas la séquence la plus dure par contre hein, que l'on ait pu faire. Faut quand même éviter de se mettre devant les fenêtres. Pour des raisons évidentes. Parce que là, je vous avoue que voilà, ça fait pas du bien. Alors ils sont pas cons, ils se sont dit tiens c'est du bois, le bois ça explose. Alors vite on va dégager tout ça. Eh ça marche plutôt bien en fait les grenades aveuglantes. Hein. Je suis plutôt content de moi là. Oui, une avalanche. On se barre, et vite. Oui d'accord, le game a rentré dedans, j'ai pas pu avancer. Ok. Alors, il y a des points d'habilité un peu partout. Je les ai pas récupérés, c'est pas grave. Le problème c'est qu'il y a un emblème ici à récupérer aussi. On va devoir faire attention à l'endroit où on roule. Alors on peut un peu freiner, hein, et pas obligé de rouler toujours à fond. J'essaie de me concentrer parce que faut vraiment que je le chope du premier coup. Ce que je suis, c'est que juste après il y a un checkpoint et sinon c'est mort. Ouais, il est juste là. Nickel. C'est magnifique, premier coup. Ah, je suis content. Il y a des gros points d'habilité quand même ici hein, à récupérer. Hein. Si on suit le bon chemin, il y a moyen de s'en faire beaucoup. Alors pourquoi ça fait ça?
Ça, je peux pas vous dire pourquoi. Comme par hasard, on a une avalanche qui se déclenche et ça remet en cause tout le. Tout le. Toute la. Toute la géographie du lieu. Ah, pas de chance.